Bonjour à tous, allez, c'est parti pour les arrivages. Donc c'est parti pour l'arrivage du lundi 9 septembre avec des petites chaussettes comme ça. Donc en ce moment c'est très à la mode, les chaussettes pas forcément rési mais qui dépassent un peu de la basket, de la chaussure, puis avec des petits motifs. Donc c'est fini comme je vous disais la dernière fois, les chaussettes discrètes. Donc 1,99€ la paire de chaussettes fines, donc on a celle-ci. On a celle-ci qui est un petit peu pailletée. J'en ai vu une autre. On a celle-ci aussi. Ensuite, on a des bottines Chelsea. Donc, en daim, apparence daim. Donc, on a la noire et la bordeaux. Donc, c'est pas les mêmes. Donc, la bordeaux, elle a une fermeture éclair. Et puis, la noire, elle est avec élastique. Alors moi je suis fan de ces bottes comme ça parce que comme le matin je suis assez speed, j'ai besoin d'enfiler vite fait ma bottine. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de fermeture, mais celle-ci aussi hein, est pas mal. Donc 13,99€. Ensuite on a des collants fins à 2,99€. Donc c'est des 20-70 deniers. Donc on a celle-ci, on a celle avec les petits pois. Les petits pois et on a celles-ci aussi qui sont pas mal. Donc 2,99€. Et puis voilà, je me disais bien qu'on en avait oublié une, il y a celle-ci. Je sais pas si vous voyez très bien les motifs. Donc celle-ci est marron. On a d'autres collins fins indémaillables à 2,49€. Avec le petit slip effet dentelle. En couleur chair. Donc au niveau des tailles, pareil, ça va toujours du S au XL. Donc 2,49€. Ensuite, on a des collants thermiques. Alors moi, j'aime beaucoup ce genre de collants, donc collants thermiques ou opaque aussi, j'appelle ça aussi des collants opaques. Alors ça c'est bien pour avoir chaud l'hiver quand on met une jupe ou tout simplement une tunique. Et puis en plus j'aime bien quand c'est opaque. Voilà, vous avez du bleu, du noir. Alors ça comme ça, comme je vous dis, l'hiver vous pouvez mettre une jupe, une robe tout en restant au chaud. Donc 2,99€. Jeans skinny fit 11,99€. Vous avez 7 couleurs. Donc coupe étroite et vous en avez des un peu plus clairs avec des petites perles. T-shirt côtelé à 4,99€ avec la petite dentelle ici. Donc il existe en gris, donc à 4,99€. Donc en gris. En noir avec les pareils hein, des petits boutons, mais celui-là alors je vois pas de dentelle, enfin j'arrive pas à la voir. Et est-ce qu'il existe un autre modèle? Et le bordeaux, donc à manches longues. On a des pulls à 7,99€. Donc on a le bordeaux avec les petites perles. On a celui-là noir avec enfin chiné. Donc alors là par contre les manches sont plutôt 3/4. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme modèle? On a celui-là avec les petites fleurs, donc 7,99€ le pull. Robe souple et douce grâce à la viscose à 9,99€. Vous voyez, voilà, ce genre de robe, vous pouvez la mettre en hiver avec le collant, là, juste à, je vous ai montré avant, le thermique. Vous l'avez en grise et en noir avec du gris chiné. Dans les mêmes tons, on a aussi le cardigan long à 11,99€. Pareil, on va l'avoir dans les mêmes tons, hein, noir avec du gris chiné. Voilà, aussi en fleurie comme ça.
et avec des rayures. Colle et adhésif à 1,99€, hein, donc on a du double face, on a de la colle de réparation. Alors attention, une colle n'est pas une colle, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous voulez coller, choisissez bien votre colle, parce que parfois, quand on ne connaît pas, comme moi il y a très longtemps, je pensais que la glu par exemple, ça collait tout. Non, je n'ai ni, comme on dit, ça ne colle pas tout. Donc vraiment, par rapport à la matière que vous allez coller, prenez la bonne colle. Alors, un produit que je vais forcément acheter, c'est le déboucheur canalisation à pression. Alors actuellement, moi j'ai une ventouse, mais je ne sais pas comment ça s'est passé, mais la dernière fois, bon, elle s'est abîmée, bref. Et ça, pour déboucher ce qui est toilette et ce qui est canalisation lavabo, voilà. Lavabo, douche, baignoire, WC, etc. Donc il y a deux embouts pour lavabo et évier, un embout WC, un embout pour douche, hein, et un bouchon de trop-plein inclus. Donc si vous avez souvent des petits soucis, que ce soit dans les lavabos, dans les douches ou dans les WC, alors moi je vous explique ma petite histoire que je partage. Alors il paraît, hein, on m'a dit dans les commentaires que je parlais beaucoup, mais bon, c'est la thématique de ma chaîne, donc si je commençais à me taire, et ben du coup ma chaîne ne serait plus ce qu'elle est. Donc pour les personnes qui pensent que je parle trop, ben, ou vous enlevez le son, ou vous appuyez sur la petite croix en haut à droite. Et il y a beaucoup, enfin surtout ces derniers temps, il y a plein de chaînes qui se sont créées sur la même thématique que la mienne. Bref, donc moi en ce moment, ce qui m'est arrivé ces derniers temps, c'est que j'ai acheté en promo, vous savez, le papier de toilette, je sais plus c'est quelle marque, mais super épais. Et du coup, je sais pas, mes toilettes ne supportent pas et à chaque fois elles se bouchent. C'est ça où je soupçonne peut-être aussi un de mes enfants de mettre les rouleaux, vous savez, les rouleaux qui soi-disant sont faits justement exprès pour être jetés dans les toilettes. Je doute aussi, mais du coup, ben, à plusieurs reprises, j'ai mes toilettes qui sont bouchées, donc j'ai acheté plein de choses. Et en fin de compte, la seule chose qui a servi pour déboucher mes toilettes, c'est la ventouse, vous savez, la ventouse à l'ancienne. Et je crois que je l'ai payé 2 euros dans les bazars, et c'est la seule chose qui a fonctionné. Et je vous assure, hein, auparavant, j'étais à Leroy Merlin, j'ai acheté une sorte de furet ou je sais pas quoi, ça n'a pas marché. Donc du coup, j'y suis même retournée me le faire rembourser parce que... C'était pas vrai ce qu'il disait, ça n'a pas du tout débouché mes toilettes. Enfin bref, si vous avez beaucoup de soucis comme ça, investissez dans un déboucheur à 6,99€. Alors je vous dis ça, mais je ne l'ai pas encore testé, donc je ne sais pas vraiment ce qu'il vaut. Mais en tout cas, je ne vais pas laisser passer la promo et je vais m'en prendre un. Alors coupe, tube, pince, cintrage, 6,99€. Je sais pas pourquoi c'est toujours dans mes vidéos Lidl que je fais des petits coups de pas contente, pas dire l'autre mot. Mais c'est vrai que franchement, lire dans une même vidéo 15 commentaires pour me dire des choses comme ça, et alors que je sais très bien que c'est juste de la méchanceté mal placée, ben à un moment ça me touche pas du tout. Au contraire, ça me fait rire. Mais à un moment je dis bah stop quoi. Voilà. Set de sertissage. Bon. 6,99€. Casier à tiroir, 8,99€, donc 17 tiroirs, 8 séparateurs, fixation murale possible. La dernière fois je vous avais présenté, hein, comme ça, il y a des petits tiroirs là transparents, et en fait vous pouvez aussi l'utiliser pour tout ce qui est loisirs créatifs, hein. Après du coup c'est vrai que bon, c'est peut-être pas très joli, mais après à vous de le customiser, hein. 7 d'agrafe ou de pointe à 3,99€. Multiples accessoires à 6,99€. Donc on a des répartiteurs 4 voies. Je remercie aussi toutes les personnes qui, quand je présente du matériel de bricolage, m'aident un petit peu dans les commentaires en m'expliquant certaines choses. Que je vous le dis, hein, moi je suis telle que je suis, quand je sais pas, je sais pas. Je ne vais pas faire une journée de recherche auparavant avant de vous présenter le produit. C'est pas du tout ça le but de ma chaîne. Donc je vous parle des produits quand je les connais. Et puis quand je ne connais pas, bah, je le dis. Tout simplement. 6,99€ les accessoires.
tronçonneuse pneumatique à 11,99€. On a un set d'accessoires à 11,99€. Alors ne convient pas pour le gonflage des pneumatiques des véhicules. Donc c'est que pour les vélos. Matelas gonflable et ballon. 11,99€. Mallette à outils à 64,99€. Donc il y a 102 pièces. Pistolet pneumatique pour rivet aveugle, 34,99€. Les accessoires. Pistolet de sablage pneumatique. Tournevis à cliquet pneumatique à 24,99€. Oui, je vous ai pas donné le prix. Le pistolet de sablage est à 14,99€. Pistolet de soufflage et d'aspiration à air comprimé, 19,99€. Oui, alors ça, je viens de voir, hein, ceux qui connaissent pas. Donc c'est pour enlever la peinture, le vernis, la rouille et les taches tenaces. Comme par exemple les graffitis. Clé à cliquet pneumatique et accessoires à 19,99€. On a aussi la ponceuse orbitale pneumatique à 17,99€. Une mini meuleuse pneumatique à 16,99€. Grignoteuse pneumatique, ça me fait rire ce nom, 17,99€. Alors c'est pour faire des coupes droites ou des petites coupes arrondies, environ 4,5 mm minimum. On a une meuleuse droite pneumatique à 14,99€. Alors la fameuse tube du compresseur. 24 litres à 84,99€. Enrouleur de tuyau à air comprimé à 19,99€. Pistolet à peinture pneumatique. Il est à 14,99€. Donc c'est un pistolet en métal léger. Voilà, application optimale de la peinture grâce à une technique basse pression. Alors tout à l'heure je vous ai montré les sets d'agrafe et tout ça à 3,99€, agrafe et pointe. Et vous avez aussi la graffeuse cloueuse qui est à 24,99€ dans sa petite mallette. Il y a même, je crois que c'est pour mesurer la profondeur d'impact. C'est la profondeur d'impact réglable. Donc c'est bien ça. Voilà, donc 24,99€ et déjà dedans il y a 2000 agrafes et clous. Voilà, c'est fini pour l'arrivage d'aujourd'hui. Moi, les petits coups de cœur, c'est les petites chaussettes, les collants thermiques, les jeans. Et puis les robes longues et les collants thermiques pour aller avec. Après au niveau du bricolage, je dirais la graffeuse là, peut-être qui peut être utile même dans tout ce qui est loisirs. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.